On va passer directement au match suivant. Normalement, ça va être qui? Ça va être Item Billy Bo, bien sûr. Ça va être Item Billy Bo du Link et du NES. Donc, on va voir. Yes, he didn't take. C'est vrai qu'il a pas pris une stock. On sait que Xetros est forcément qualifié pour demain. Il est qualifié pour demain. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais après, Winnerside, il a encore son match contre Billy Bo. Billy Bo, je pense qu'il va se faire vert, en tout cas. Non. Mais je pense qu'il est peut-être bien parti de rejouer le game match contre Ness, selon moi. Ça se peut, ouais. Il a passé en vrai, on s'est foutu de la torche de ce game match. Bon, pendant la dernière game, il nous a pas montré un jeu incroyable. Il a beaucoup flirté avec la Blast Zone, il s'est bien amusé. Il allait faire des grands donneurs offstage. Mais peu de choses près, c'était chaud. Hein. Clairement. Il aurait pu perdre cette game. Hein. Vraiment. Le pire, c'est qu'il trollait même pas, parce que on voyait sur la cam que ça le saoulait. Ouais. Il avait l'air vraiment d'avoir le seum, quoi. Exactement. Le pauvre. Bon, enfin, en tout cas, il passe en bracket. Up 2-0. Il nous reste, si je ne m'abuse, 3-7 encore. Ou 2. C'est qui fait le rire de ce vidéo derrière? Non. C'est un invité spécial. Salut mon gars, ça va, je te présente Mehdi. C'est le Mehdi du coup. Le Bolt belge en fait. Si ok, d'accord, ouais. Le Bolt belge. Voilà, donc je reviens pour ça avec toi. Voilà, donc on salue les gens. Donc c'est le stream du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars. C'est un poteau, c'est un Redson, c'est un boog du quartier. Il va rendre visite forcément. Du quartier, joue un peu à Smash. Tu joues à Smash, bien sûr. Et ben tiens, maintenant que tu joues à Smash, va regarder. C'est Item qui va jouer là maintenant. Il va jouer maintenant contre Billy Bo, vu que c'est un joueur de Link et ça va forcément t'intéresser. Alors, qui s'installe déjà? Billy Bo s'est déjà installé en tout cas. Il y a 4-7. Donc. Sector One, franchement, un pépite. Vraiment incroyable. Voilà, la petite, le petit clin d'œil en tout cas pour Sector One de la part de Redson. En tout cas, ça fait plaisir encore. Merci pour l'opportunité qu'ils nous ont donné de faire cet event. Vraiment, c'est ultra carré. Et y a des gens qui regardent encore le Smash World Tour, là. Comment ça se passe? Je vois qu'on dit ne... Ça me fait rire parce qu'on un Smash World Tour, une scène comme ça, apparemment. Moi, ça me fait rire en fait. Donc. Qu'est-ce qu'il fait, Item? Il est en train de jouer avec Ontos il y a 2 secondes. Mais d'ici, il est encore là. D'ici, il est fait. Ce mec là, ils vont toujours aux toilettes pile avant leur step. Tu peux pas pisser avant, genre. Il y avait une pause, il aurait pu aller. Mais il y aura encore une pause. Comme à l'école. Ah, mais par contre, tu sais que la poule d'aile commence bientôt, mais je pense qu'on va la commencer un peu en retard. Bah oui, mais s'ils prennent autant de temps, oui. Mais après, on a le temps. On a le temps. On est pas en retard. C'est vrai qu'on n'est pas en retard, mais. En fait, c'est pas un gros retard, et donc je pense qu'on a le temps de jouer en tout cas la poule D, ça y est. De toute façon, la poule C. Enfin, la poule D c'est demain, voilà, j'étais une bêtise. Enfin, la quatrième poule c'est demain, donc de toute façon, on a le temps pour jouer la dernière poule. Quoique, on revient sur la deuxième poule, quoi qu'il arrive. On tape à deux. Et c'est parti, donc les deux joueurs s'installent, les joueurs commencent déjà, donc leurs touches sont déjà mises. Allez les gars. Ah non, pas encore, il va faire un bottle check. Quoi? Franchement, fais-toi plaisir. Flo, il abuse de ouf. Ouais, bah oui, pas ouais, non, il abuse un petit peu. Mais il a pris Lucas. Non, c'est vrai. Franchement, ce pic, il était. Mais franchement, il a pris deux stocks. Mais c'est DSD. C'est ouais. DSD, donc techniquement, Flo, il n'a rien pris. Ouais. Tu vois, donc. Ah là là, Lucas. Là, Xetros, il est quand même on fire. Non, Xetros, il est remonté depuis Smash 4. Hein. Oh, ouais, je trouve qu'il a eu un bon niveau, il est bien constant et tout. Bien sûr, bien sûr. Il y a deux Mamoru. Ok, c'est parti. Donc, ils se sont installés. Les persos sont quasi sélectionnés. Billy Bo est prêt. Non, ça va pas, il va pas jouer comme une noix, je aussi. Ok, il est là.
Et on devrait être bon, je pense que tu peux switch sur le jeu. Ouais, tu peux aller switch sur le jeu, Apollo. Merci, Apollo. Merci. On est reparti. Apollo Dambou. Apollo Dambou. On est reparti. Deuxième match. Trois. Le quatrième match de la poule. Quatrième match de la poule. Item. Bilbo. Je les ai peu vus jouer là contre l'autre, je crois. Voir quasiment. Franchement, je pense. Moi je pense que ça va être pour Link, hein. Mm-hmm. C'est pas vraiment pour Link. Si, je veux bien ce jeu. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça? Enfin bon, vu comme ça, ça a l'air d'être compliqué, tu vois. Mm-hmm. Mais je pense que Link a quoi vraiment casser le jeu de NES. Je pense que le. Oh ouais, 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 ça va être. Oh, bien vu. Il y a bien space pour pouvoir faire Rico. Yo Tarek, yo TKLucar, comment ça va? Oui, il y a un bracket, on va te l'envoyer tout de suite. On va être envoyé en tout cas par la régie, t'inquiète pas. Mais bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah, c'est vraiment succès. Ok, donc là, ouais, ça va être compliqué pour mon frère. Oh, tout juste. Hein. Ah, merci Apollo. Du coup, voilà, le bracket est envoyé. Toujours pas de stock. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi le secret, frère de... C'est même pas, en vrai c'est juste jusque maintenant genre il jouait bien, puis là j'ai l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi avec le mot. Moi c'est ça, c'est lui qui veut toujours la gagner en fait, par l'histoire. C'est lui qui veut toujours qui va gagner. C'est toujours pas de première fois. Ok, le nerf, je sais pas ce que c'était quoi, je crois que c'était le tilt. Non, malheureusement non. Trop loin avec la bombe en main, ça aurait pu... je pense que ça aurait pu le tuer aussi. Ok, le smash finalement on n'a pas trouvé, ça pue très très mal sur le smash. C'était une bonne option, t'as vu le shield? T'as vu le shield? T'as vu le shield? Ça allait shield break, hein? Ça allait totalement shield break. Ah, on parle assez fort, hein, Tarek, hein, on est près du micro, je pense que tout le monde nous entend, hein. Je pense que tout le monde nous entend, en tout cas les casteurs sont entendus. Elle confirme du side B avec le nerf, le fer, pardon. Le fer, on le fait, donc. Bakker, ça fait un petit barrage de Bakker pour empêcher de revenir sur le neutral. Maintenant, malheureusement, c'est fait, est déjà revenu. Est-ce que l'item va pouvoir s'en sortir face à la Zizanie du Nes, face à tous ces moments? Est-ce que ça va donner? Non, malheureusement, ça donner pas. Ok, la reco qui a été très rapidement. Okay, et la macro qui a été décidée sur ce spot. Allez, même Beled. Allez, Beled, là c'est mieux. Là, tantôt, on entendait un mot sur deux. Ah, bizarre, bizarre. Ok, d'accord, le strap, la face à strap, il est bien. C'est compliqué là, c'est vachement dur. Mais non. Oh, mais oui! À force mais de, oui! À force de spammer. Mais c'est. Mais oui, mais c'est. Mais oui, c'est clair! La prochaine, c'est la bonne. La stock en tout cas sur cette première game, on est passé vraiment, j'avais l'impression que genre Bilbo jouait bien mieux. Je veux bien mieux, mais là tu vois, on est dans une situation la stock où c'est quasiment even, voire un peu moins pour Billy, mais là ça commence un petit peu à être tendu de son côté. On sent que voilà, item c'est bien parce qu'il a gardé le mental et je dis recoute, la game n'est pas finie. Tant qu'il n'y a pas le mid game, je vais pas terminer là-dessus en tout cas. Très bien vu de la part de Billy Bob pour cette record, en tout cas pour ce troisième jump, oui c'est la troisième match le ouais, voilà, en tout cas. Situation de l'estrap imminent, la bombe, est-ce que ça va être éclaté? Non, elle ne sera pas éclatée. Avec même qui a voulu tenter quelque chose dépendant de cette bombe. Finalement il n'y a rien eu. Le side lead, voilà, ça commence à jump un peu. Ça commence à danser des deux côtés là. C'est vraiment momenté dans une situation pareille. Ah, c'est la à tout moment ça peut sortir. Peut-être que c'est lui, non, ça tente. Vulnérable, non pas du tout. Le up smash qui run up a smash. Trouvé l'opportunité d'être. Run up smash nature, comme ça. Et le hit qui a trouvé la stock. 1-0 pour Bilbo, qui veut pas se laisser faire, qui est peut-être potentiellement partant d'être qualifié. Ou alors, voilà, tout dépend du match après. L'item est de. De Paco et forcément de Bilbo Xetros. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, ça risque d'être compliqué entre les trois autres joueurs. Ça, pas en partant là-dessus. Hein. Oh, the game de Smash vide. Pourquoi Smash vide? Genre, les deux, c'est des persos qui ont besoin d'espace et tout. Et justement, c'est parce qu'ils ont pas envie que ça dure trop longtemps ou. Oh, d'accord. Item vraiment.
il est sur une instrumentale, il a vraiment pas. Mais attends, ouais. Faire trou, je savais pas que c'était trou en Rising Fett ou quoi comme ça. Je pensais pas. Peut-être lui va te dire non, peut-être qu'il va te dire ouais. Piu Piu et Takumi Sicarina, mon ami la lumière, c'est ça. Oh, l'air de nouveau, oh là là. Oh, le slime. Il est mort, il est mort, hein, c'est bien. Il est mort, voilà, il y a que le. Juste le pin d'abord. Mais. Franchement, franchement, là, en vrai, ça va être. À mon avis, ça va être. À sens unique, hein. Là c'est parti pour être l'exact opposé de la game d'avant. On va voir exactement comment ça se passe. Pour l'instant ça gratte quelques pourcents sur la stop d'avance. C'est exactement ce qu'on cherche à avoir du côté d'item. La bombe qui explose, le top 10 anime Betrayals, tu connais. Et on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant on part sur un bon gros de 60%. Là on va arriver dans la range où il y a les confirmés. Où tu vas commencer à pouvoir tuer avec Link, genre là sur un boomerang que tu vas tout faire, je pense que l'edge ça tue. Et ça va commencer, c'est à ce moment là, c'est soit maintenant, soit jamais qu'il faut prendre la stock. Ça va être très compliqué. Ouais, comme là tout de suite là, mais la prochaine je pense que c'est la bonne, peut-être le hit de la bombe. Ouais, ouais, mais voilà. Oui forcément, non voilà. Tu repoques du... tu recoupes pas comme ça. Non je pense que ça va être bien, mais avec quelqu'un d'autre là, donc ça en tout cas, il y en a assez peu. À ce moment on a plus de santé. Oh il a plus de saut. Il a plus de saut. Il a plus de saut. Ouais, mais il a eu raison. Non, il a eu raison. Ça t'aide pas. Il a eu raison. Ça réduit la taille. Et forcément, c'est un 2 stocks quasi autoritaire. Enfin, presque 3 stocks. Sans ça, tu vois. C'est une victoire autoritaire de item sur ce deuxième match. Très très serré comme. Comme 7, hein. Je parle pas de ce match qui a été. Mais j'ai l'impression qu'il a plus joué ses pro-jeux et ses interplays sur ce tout site. C'est vrai que Ness, je pense pas qu'il absorbe ces projets là. Hein. Je pense pas qu'il absorbe ces projets là. Non, non. Qui, comme ça, donc forcément. Enfin, par contre, le micro qui me cache là. Voilà, qui me cache. Mais on repart sur ce troisième. Oui, sur PS3, sur PS2. Ouais, ça y est, ils ont réalisé. La game, elle, genre Bilbo, il s'est dit ouais la game elle allait trop vite, hein, vraiment un terrain plus grand. Mais en final, ça changerait énormément la donne si Item gagne ce set. Imagine un petit peu la situation, on a quand même Bilbo qui est supposé être le site 1 de poule, qui se retrouvait potentiellement si hyper qu'on disait trop, ça ne même pas passer les coups. Ça c'est quand même un truc de fou et c'est pour ça que ça m'intéresse vachement de voir l'issue de ce match. C'est pas le temps de côté du niveau, de la situation, elle est proche du coin, mais dans le coin tout seul là. Qu'est-ce que c'était que ce terrain? Le problème c'est que ça fait trop mal, j'ai l'impression que le grab range de Ness il a assez claqué je trouve. Oh le confirme du Nerby. Oh là là c'était là là, pas c'était. Fou, mais on prend, voilà, c'est un petit peu mytho, mais. il a déglingué sa bombe, hein, vraiment. Il a mis son meilleur moment de ton père. Incroyable. Ah ça va toucher Léo là je pense. Bien vu la tech. Et il y a un truc qui est sûr, c'est en Belgique, vous savez tech, ah ouais hein, vous avez raté. Il n'y a aucune tech qui a été ratée. Oi. Aitem il est patient là, il sait qu'il faut absolument qu'il garde son lead et il joue bien autour de ça. Faut pas qu'il se mette à craquer, on sent qu'il a commencé, il commence à avoir envie d'approcher de cette manière là, il va falloir faire très attention. C'est vraiment plus important qu'il garde sa stock plutôt qu'il essaye de faire des grosses conversions. Il va perdre sa stock. Et on est retourné à Even. Oh, le deuxième ouvrier de cette vie. Ah bah alors ça non. Il a dû mettre tout. Parce que ce sont des avantages. On le remet sur le terrain. Oh, ça va être compliqué là. Ça va être dur. Hein. Il est beau, il a un bon. Il est bon avec le momentum, il fait des bonnes phases d'avantage quand même. Oh bien vu. Oh ça fait peur, ça fait peur. Ici. Oh bien vu le ride. La ride, très belle ride. Oh non, là c'est la merde. Dommage. C'était mal vu, je pense qu'il aurait dû descendre avec une option plutôt que de faire ça. Il aurait pu prendre la stock là-dessus, bon après c'est pas fini non plus. C'est pas encore terminé, donc c'est totalement le premier qui se prend. Quoi que ce soit va sortir. Ouais, voilà, c'était bien vu. En réaction cette fois-ci, pas de prévention à l'estrap. Ça aurait été plutôt bon, le placement de la bombe l'a bien aidé. Et c'est le moment où il fallait prendre la stock, hein. La game 3 c'est une des plus importantes quand il y a A1 dans cette situation.
car ça donne l'avantage des bans. Et on va voir ce que va donner cette game, mais c'est complètement rattrapable pour le livre. Oui, bien sûr, 116%. Tu peux aller très vite, regarde, tu le vois ici. Je pense que le prochain smash ça va être la bonne. Oui, on attend un smash ici un petit peu piqué. Je vois qu'il n'a pas été touché au final. Il a complètement gâché. T'as tué capot son jeu finalement, voilà. 50% du côté de Bilibo, c'est pas grand chose, mais ça peut aller très très vite avec lui. Je sens que la range va être très très utile pour ce perso. Le fer qui n'a pas trouvé, qui a manqué de poche malheureusement, pour le mettre dans un désavantage certain. Ah bien vu, le temps de rentrer. On est sûr, le nerf, le petit barrage de nerf, encore un nerf. Est-ce que tu veux un nerf? Tu veux un café avec ton nerf? Encore. Oui. Voilà. Tu vois, c'est vraiment l'arme au quotidien. C'est even, vraiment le café. C'est vraiment le café de Link en fait. Even. Ok. Alors, on demande le lien du bracket. Voilà, ça va être tendu. Ok. Oh, le tour de round grab. Ils ont des. C'est vraiment, ils ont pas peur. Ouais, ça tue. Ça tue. Ça tue. Et 2-1 pour item dans ce match. Potentiellement sur ça. Balle de match. Potentiellement sur sa balle de match. Très très bien joué de sa part en tout cas. Sur les deux situations de l'estrap en tout cas. Bien joué en tout cas. Ça risque, il risque de se passer ça risque de... On sait pas du tout qui va sortir des poules. On sait que Pacu ne sortira pas des poules. C'est un fait. Mais on ne sait pas du tout entre les deux. Genre entre item qui peut encore battre Pacu après, qui lui ferait deux victoires, une contre Bilibo s'il gagne là et Pacu. Entre Xetros qui a déjà gagné deux mais qui peut perdre contre Bilibo, Bilibo qui peut gagner ou perdre contre Xetros. Tout peut se faire encore. Tout peut se jouer. Les trois joueurs là, c'est rien mais défini. C'est important, mais ça dépend. Parce que si Bilibo gagne ce match, ça sécure Bilibo et Xetros qui passeront forcément pour le top 8. Un winner side, un loser side. Il ne faut pas sous-estimer ce joueur. Il n'est pas du tout en reste. C'est pas du tout terminé pour lui encore. Et voilà, et il commence déjà directement. 58%, 66%, ça met des pourcents. Ça fait un petit. Bien sécurisé, tranquille. Voilà, qu'est-ce que c'est que ces options, les ulti tout le monde là. Et le lead anéanti quoi. Ouais, ça fait peur, hein. Ça fait peur, Link, quand les frappe, hein. Ok, voilà, là, la stock. Ouais. Ah, vache, ça fait peur, hein. Oh, j'aurais paniqué 14 fois, là, déjà, dans cette situation. Le boomerang qui va revenir, le nerf. Deuxième boomerang, il va l'empêcher de venir sur la plateforme. C'est dommage pour le smash. S'il avait tilt et plus tôt, je pense qu'il aurait pu tuer là-dessus. Ah, ça fait trop peur. Le perso il fait trop peur. Ok, ça tue ça. Le bien vu, c'était landing upper. Into grab. La flèche. Bonne nouvelle situation d'estrade. La bombe qui a un petit peu gâché cette tentative de street. Ouais. Franchement, pour faire des temps, on grave pour flèche dans le courage. Hein. Moi j'oserais pas, hein. Vraiment. Hein. Après pour l'instant ça a payé, mais là le léger bon, pour Bilibo, ça va être dur de un petit peu. On place le fer encore une fois, ça sort pas, ça sort toujours pas, et la bombe du 4, gâcher la repos du type. La première tech ratée des belles. Vraiment. Ça fait trop peur. En vrai, il... C'est qu'il serait fou. Alors... Mais qu'est-ce qu'il fait? Là je comprends pas trop le but d'Item, il fait que des gros full-up comme ça machin. Bilibo il fait un full-up upper, il gagne le même strat. C'est juste que c'est pas forcément évident dans ce genre de situation de réussir à commit ce genre d'option. Ça fait vachement peur et tout, et comme on dit là, 95% lead du côté de Bilibo, il est parti pour gagner cette game. Backer. Turnaround, mais ils arrêtent pas. Ils se mettent des grands turnaround grab. C'est vraiment une option de Chad. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment une option, tu sais, genre tu te rends compte. Comme ça là. Ok, item. Voilà, en gros, c'est bon. Je veux pas le beurre, l'argent du beurre, tant que le mec qui change des grands espaces. Ça... Ok, ouh, le deal, d'accord. 0-0. Balle de match. Balle de match.
pour ITM, c'est l'opportunité de pouvoir avoir sa première game, sa première victoire dans cette poule. Oh, le retour de la bombe confirme avec le jab. Et on prend le side B. Le retour de la bombe, le retour de flamme. Oui, oui, oui. Ok, prochaine interaction va tuer probablement les scraps. Oh, il a tout couvert. Oh, il a tout couvert. Oh, il a trop peur, Billy Bo, il a trop peur. Vraiment peur, là, il est en train de flipper, là, c'est une dinguerie. Ok. Jeff Tilt qui ne touche toujours pas. Le retour du boomerang, non, ça va, on l'esquive. On l'évite. Oh, ça et le coup du sang. Et item fer. Qui gagne le set. Et qui gagne le set, en effet. Bonjour, je suis Jaspek. Qui gagne le set, en effet. Et qui a sa première victoire. Je m'appelle Adnan. Non, mais non, c'est bon. Non. Et qui gagne le set et qui a sa première victoire et sa première interview. Qui dit première victoire, qui dit première interview pour le joueur. Donc on attend juste que les joueurs se mettent en place. Et nous, on va s'équiper de notre casque parce que ça nous intéresse. On veut écouter ce qui se passe. Tu vois. On va juste attendre pour voir ce qui se passe. Et du coup, tous les deux premiers matchs vont tout définir dans la poule. C'est exactement la situation dont on parlait. On va avoir un petit... Xetros contre Billy Bo. C'est ça, un petit Paku contre ITM. À mon avis, ça va être explosif. Paku ITM, ça va être très marrant. Ça va c'est être quoi mon prono? Moi, je pense que ITM va battre Paku. Ça va être Xetros Billy Bo, ça va être tendu. Ça va être tendu, je pense que ça va être pour Xetros qui va sûrement gérer ce match-up. Mais ça reste à voir en tout cas. Ça reste à voir. En tout cas, l'interview qui va être sans plus tarder, on annonce dans quelques secondes. C'est parti. Back again with this time with ITM that just won again Billy Bo in a very good match. How do you feel, ITM, today? I'm feeling better than my first set because I'm warming up more. So, feeling better. Yeah, I was a bit surprised because last tournament I saw you a bit, that was two times in a row, and you were looking really sharp, beating Nibodax also. Also, recently, really good results. So, what happened in the first match? Xetros is just really good. He got a really good new game plan, and so it's up to me to get another good game plan. We basically go back and forth in like game plans, and his was really strong today. Yeah, I see that he studied you quite a bit, and it works out. So now you have to go against Paku. Yeah. Do you feel it's random? I'm gonna be honest. I don't hate Falcon, but I get scared of Falcon because he just does combos and Paku does nothing else than train his combos. So I'm just scared a bit, but yeah, I'm confident. Yeah, it's understandable. But best of luck for your next match and see you later. Thanks, man. Back to the cast.